Lolène, dis-moi, c'est que je te demande, est-ce que tu l'as fait ou pas? Si bébé, je l'ai déjà fait. Parce que c'est très très important pour moi. Si je suis déjà dans l'église, je prie avec eux, il y a une sœur qui m'a déjà reconnue. Ah bon? Oui bébé. Je veux que tu rentres dans le cercle de mon pasteur. Il faut que tu restes vraiment avec elle. Que tu apprennes tout sur elle. Que tu viennes me rencontrer en fait. Je veux que tu la montres vraiment. T'es en galère. Ok bébé, j'ai compris. Qu'est-ce que je leur veux? J'ai un problème avec eux? Bon, écoute, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que je te demande, c'est tout. Va me chercher un truc à manger, s'il te plaît, chérie. Ok, bébé. Oui, comme je te disais, hein, moi je parlais à Nancy à Luxembourg, il n'y a pas longtemps là. Et je lui disais que moi j'aime travailler correctement, donc je travaille avec des gens qui aiment travailler. Donc une personne qui vient travailler avec moi, ça veut dire qu'elle-même, hein, elle sait travailler. Moi je sais pas vraiment ce que toi tu veux, je m'explique après, voilà. On va voir ce que je peux faire. Ben, moi comme je disais, j'ai trop donné aux hommes. J'ai trop donné aux hommes. Et là, comme j'avais vu ton numéro sur internet, j'ai vu un peu ce que tu faisais, je m'aimerais bien travailler avec toi. Moi, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? J'ai trop donné, là, franchement. Quand tu parles des données, t'as donné quoi? Les corps, l'argent? Faut m'expliquer. Tout. Tout. Même les corps? Même le corps, même l'argent. Je partais comme ça gratuitement, j'en ai marre. Mais ma chérie, l'argent! Je te jure, même deux fois, je donnais l'argent, quoi. Donc, Et pendant combien de temps t'as fait ça? Pendant longtemps. Pendant longtemps? Mais mon Dieu! C'est pas possible. Donc toi, pendant si longtemps, tu donnais ton corps comme ça gratuitement. Alors que moi, j'ai fait avec de l'argent. Mais non, mais non. Mais ça tombe bien parce que moi, en ce moment, je recherche des gens. Et vraiment, c'est... Tonte. Tout ça, tu donnais gratuit. Mais ma soeur, vraiment, t'aimes pas Dieu, hein? T'aimes pas Dieu. Parce qu'il t'a donné des marchandises comme ça, au lieu de les exposer, donner aux gens qui ont besoin et faire de l'argent avec. Tu sais que tu peux m'enrichir hein, avec ça. Tu le sais? Non. Tu n'as pas. Ma sœur. Donc, comme je te disais, hein, je suis d'accord. Pour travailler vraiment, je vais travailler avec toi. Toi, je vais t'exposer. Ah là là! Ma pasteur, bonjour ma pasteur. Oui, bonjour. Ma pasteur, vraiment, je voulais te dire merci pour tout à l'heure pour la prédication. Franchement, ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup. Pourquoi tu trembles comme ça? Ma pasteur, tu peux même pas comprendre. En ce net moment, je traverse des périodes difficiles. Je veux que je puisse prier pour moi, je puisse trouver un bon boulot. Tu veux que je prie pour toi? Est-ce que tu as déjà donné ta dîme? Non, pas encore. Non. Faut pas faire les choses en désordre. Tu sais, le Dieu que l'on sert, il aime pas le désordre. C'est pas un Dieu de désordre. D'abord, tu commences étape par étape. Tu commences d'abord par donner ta dîme et ensuite tu viens chercher la prière et tu vas voir, toutes les choses seront faciles pour toi. Ok? Pour l'instant, je n'ai pas un travail. Je suis à la recherche d'un emploi. On m'a proposé un boulot, j'ai refusé. Ça m'intéresse pas du tout, quoi, ma pasteur. Depuis quelque temps, il pense beaucoup à sa mère. Ami, je te pose une question. Ben oui. Alors que tu voulais, je t'écoute, toi aussi. Ah, c'est à propos de maman. Comment est-ce qu'elle était en personne, je veux dire, avec toi, avec papa, est-ce que vous étiez amis? Est-ce que vous parliez? Est-ce que vous... Oh, c'est beaucoup de questions d'un coup, ça, hein? Pardon, maman. Tu comprends, papa, elle ne veut jamais en parler. Moi, j'ai 25 ans, je ne sais pas quoi ressemble ma mère. La seule photo d'elle à la maison, j'ai besoin de savoir plus. Ça me faisait de la peine pour Jean. Tu cherches un travail? Oui, ma pasteur, je cherche un travail. Ça, c'est pas un problème, ça. Tu sais, le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu, il donne tout cadeau. Là, tu es dans notre église. Il faut qu'on sente vraiment que non, il y a un changement. Si tu cherches un travail, tu peux venir travailler chez moi. Parce que tu sais, comme on vient d'acheter une nouvelle maison, je ne peux pas tout faire toute seule. La maison, elle est tellement grande qu'il y a beaucoup de choses à faire. Parce que le Seigneur a vraiment béni, hein.
Tu sais qu'on a acheté un pavillon. Il est grand. Il est beau. Tu vas venir travailler chez moi. Le Seigneur, il m'a parlé. Tu sais, avant même que tu puisses me parler, je savais déjà. Mais je voulais... Moi, j'aime pas être orgueilleuse. Tu sais, avec le Saint-Esprit, il faut pas être orgueilleuse. Je savais déjà tout ce que tu allais me dire. Mais je voulais que ça sorte de ta bouche. Mais le Seigneur m'avait déjà parlé bien avant. Mais il n'y a pas un problème. Tu vas venir travailler chez moi. Tu vas venir travailler chez moi et tout se passera bien. Merci, ma pasteur. Ok, c'est bon. Passe demain à la maison, ok? D'accord. Merci. Dis-moi un peu la télé, s'il te plaît. Assieds-toi correctement. Assieds-toi correctement. Dis-moi. Tu sais, depuis tout à l'heure, je suis avec toi, mais je réfléchissais à un truc. Dis-moi un peu. Comment t'as fait pour être avec moi comme ça? Arrête de rigoler. Ça te plaît pas? Si! Mais franchement, tu sais, hein, moi je suis Vanessa Ituna. Ça veut dire? Non, quand je t'ai dit Vanessa, parmi mes potes, je suis différente. Les hommes, là, ça me dit rien. Moi, pour moi, c'est l'argent, la maison, tu vois, tout ce qui est argent, moi. Les hommes, en fait, moi, je m'en fous. Tous les petits hommes, là, que tu vois à côté de moi, j'ai jamais... Je préfère travailler avec eux en collaboration. Mais pas, oh, copain, mais toi. Assis sur mon canapé, tu me touches. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, je ressens beaucoup de choses pour toi. Ah, déjà? C'est pas normal. Déjà? Toi, t'es parti voir les fétiches. N'importe quoi. Tu m'as mis dans une bouteille. C'est ça. Attends. Déjà, tu crois que pour avoir une femme, il faut aller voir le féticheur? Oh, y en a qui font ça. Hein. Ben, je ne suis pas sur la liste de ces gens-là, moi. Au fait, dès le premier jour que je t'ai vu, je t'ai tombé sur ton charme. Et je me suis dit, je ne peux pas laisser l'opportunité qui s'est présentée devant moi. Je devais vraiment, vraiment m'y mettre pour t'avoir. Et comme on dit, deux âmes sœurs finissent toujours par se rencontrer. Et Dieu a permis à ce que je puisse te voir, je puisse te croiser sur mon chemin. T'es sûr que c'est Dieu, hein? Parce que quand je te voyais dans mes rendez-vous, mais hey, tu débarquais comme ça, mais je comprenais pas. Tu sais, dans le plan des dieux, il n'y a jamais eu d'hasard. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, quelque part, c'était déjà prévu dans le carnet des dieux. Ils savaient qu'un jour, Duche Kapanga, ours blanc, vivra avec Vanessa Ituma. Toutes ces questions-là que tu me poses, là, ça commence déjà à me saouler. Tu me fais quelque chose à manger et puis je vais bien m'occuper de toi. Même mes copines ne croiront pas. Mais tu me fais à manger ou pas? Si, mais bébé, attends, je vais regarder ma série, après je... Non, attends, attends. C'est bon, c'est bon. Hé, cousin. C'est bon. Tu me fais à manger. C'est bon. C'est bon. Ouais, moi c'est l'argent, c'est l'argent. Tu crois que moi je suis ici, pourquoi? Tu auras vraiment une raison cette fois-ci pour haïr les autres. Merci ma pasteur pour le travail que tu m'as donné. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Je ne vais jamais te décevoir ma pasteur. Mais travaille là. Tu travailles ou tu me regardes? J'ai compris ce que t'as dit, hein. À part ça, vous là, de toute façon, vous êtes toujours comme ça, hein. Merci pour le travail que tu m'as donné, ceci, cela et tout. Oui, au début, c'est bien. Tout est bien, tout est ok. T'as vu comment nous on vit ici, à la maison, avec mon mari? Alors, je te dis, tout ce qui se passe chez moi, ça doit rester ici. Je vais rien entendre dehors. Oh, là-bas, c'est comme ça, ils écoutent du Kofi, du JB ou je sais pas quoi là. Si j'entends ça, je saurais que c'est toi. Je saurais, hein. Parce que moi, Dieu me parle. Si je dors comme ça, Dieu me dit, ouais, ta boniche là est en train de divulguer des trucs qui se passent chez toi. Ça va mal finir pour toi. Tu vas retourner dehors où je t'ai pris. Ok? N'oublie pas, hein. Même dans la Bible, c'est écrit, il faut pas oublier ses faibles commencements. Hein? Faut pas oublier comment t'es venu là. Alors si j'entends, je saurais. De toute façon,
Je sais comment je suis, non? Maman pasteur, androïde. Moi, quand je sens les choses, je discute même pas avec le Saint-Esprit. Je fais confiance au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me dit que la personne qui est à la maison, là, c'est elle qui est en train de foutre la merde, je vais faire confiance au Saint-Esprit et tu vas retourner dehors. Ok? Ok, ma pasteur, allez. J'ai compris. Là, t'es en train de faire quoi, là? C'est bon, là? Je n'ai pas encore fini. Ok. Tu fais un bon petit plat pour le pasteur, hein? Ok? Ok, madame. C'est bon. Écoute, Marco, à l'heure d'aujourd'hui, j'aimerais bien que tu me payes. C'est plus comme avant. Maintenant, il n'y a plus de trucs gratuits, il n'y a plus de choses gratuites. On a trop fait, tu me donnais rien, je m'en sortais pas, on partait de nulle part. Et là, franchement, j'ai envie de m'en sortir. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes? Tu veux que moi je te paye? Tu veux que je te paye, moi? Mais non! Je te fais ce que tu es aujourd'hui, une femme. Je t'ai rendu une femme heureuse. Et moi, je vais te payer, moi. Mais arrête! Marco, ces temps-là, c'est passé, c'est fini. Tu vois? Ce que je fais maintenant, c'est plus possible. Il n'y a plus rien de gratuit, là. Tu me demandes de te payer. Mais ça vient d'où? Moi, je te connais depuis que tu étais petite. Hein, patin? Attends. Je t'ai montré tous les trucs que tu ne connaissais pas. Et aujourd'hui, tu dis que je t'ai payé. Mais non! Tu restes ma femme, c'est tout. Toi et moi, c'était du passé. Tu vois, j'étais ta femme et maintenant je ne le suis plus. Donc, il n'y a plus de gratuit. Là, maintenant, il faut payer. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'es pas content, c'est ton problème, pas le mien. Ce que tu me demandes là, ça n'a pas de sens. Moi, je vais te montrer que c'est moi qui t'ai connu avant. Et c'est moi qui t'ai fait ce que tu es. Là, la soeur Naza Kinoa. Mais t'as agité pourquoi? Mais dis-moi, t'as agité pourquoi? Mon père, il passe ici. C'est un mythe? Non, mais je vais t'expliquer. Enfin, mon père, papa. Ah, ben ton père, c'est quoi? C'est quoi le problème? Ben, je vais te présenter mon père. Il va passer à la maison. Ah bon? Oui. On est déjà arrivé à ce niveau-là? Mais mon père, il arrive. Mais... Bon, je comprends que j'ai pas eu le temps de t'expliquer. En fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu mon père. Ouais. Il m'avait laissé depuis que j'étais toute petite. Mmh. Et du coup, je vivais avec ma mère et mon beau-père. Ouais. Et là, mon père, il vient de débarquer du jour au lendemain, tu comprends? Ah, parce qu'il a compris que Vanessa gagne maintenant la thune. Mais n'importe quoi! Ah, il débarque. Non, même pas. C'est mon père, hein? C'est mon père, tu peux pas parler comme ça de mon père. Je suis d'accord. J'ai pas dit le contraire, moi. Pourquoi il va attendre pendant tout ce temps-là et il vient débarquer aujourd'hui? Duce, arrête ça. Il revient pas pour mon argent. C'est parce qu'il a compris que. Bon, il avait pendant une fille. Tout ce temps-là, il faisait quoi? Il était où et pourquoi et avec qui? Mais il m'a expliqué, c'est bon, j'ai compris, c'est quand même mon père, t'es d'accord? Ah. C'est quand même mon père, je sais pas pourquoi t'es... T'es aveuglé, toi! Pourquoi? Bon. Soit. Mon père, il arrive, ça te pose un problème mais ici? Non, je... En plus, c'est chez moi, Tuché, non, mais attends. C'est chez moi? Bon, ok, moi je m'en vais alors. Mais non, comme bébé, ça, pas... mais j'ai pas dit que tu pars, mais il faut juste que tu t'enregistres dans ta tête, maintenant c'est une chez chanson. Moi. C'est chez moi. Mais j'ai quand même le droit. Oui, t'as le droit, mais. Il faut quand même que tu mettes des limites. D'accord, ok, j'ai compris. Mais non, c'est bon. Ton ange arrive et puis c'est bon. C'est bon, c'est mes affaires, c'est ma maison, on peut ouais, pas ensemble. Non, j'ai un chez moi. Mais bébé, arrête de t'énerver pour rien. J'ai un chez moi, c'est bon. Et je crois que c'est lui. Je dis ça va, la température, oui, ça va, ça a été. Il fait bon froid. Bonjour. Bonjour. Je te présente Duce. Mon père. Papa, c'est Duce. Enchanté. Ah, enchanté, merci. Duce. Oui, Duce. En plus, je devais te parler de ça, mais voilà. Ben, au fait, moi, c'est moi qui m'occupe d'elle depuis tout ce temps-là, pendant votre absence, depuis que vous l'avez abandonnée quand elle était toute petite. C'est quoi ça? Mais c'est pas ça que tu m'avais dit. J'ai un mollo. Ouais. C'est
Pourquoi ça va, ça? Papa, je... hein? Non, elle m'a dit que vous venez à peine de débarquer après plusieurs années d'absence. Et dès que vous avez su qu'elle a commencé à gagner bien sa vie... Hé, hey, monsieur, on est ça. C'est quoi, c'est quoi l'histoire? Je ne fais que rapporter ce qu'elle m'a dit. Ah bon? Non, papa. DJ, arrête. Pourquoi tu fais... J'arrête, quoi? Tu fais ces gens de choses? Mais c'est ton violon. C'est mon père. Mais écoute, monsieur, rien dit. C'est ton père, je le connais. Il t'a fait abandonner. Mais c'est écrit entre toi et moi. Qui t'a dit que moi je l'ai abandonné? Qui t'a dit que moi je l'ai abandonné? C'est elle. T'es sérieuse là? Tu crois que j'ai que ça à faire, donc moi je marche, toi t'es derrière moi. Avance vite! Viens! Attends. Viens. Il faut pas oublier un truc. C'est moi qui t'aide. C'est pas le contraire. C'est pas moi qui était venu là te chercher. C'est toi qui es venu vers moi. Ok? Parce que là, je vois ton visage. On dirait que porter le caddie, ça te saoule ou quoi, je sais pas. J'en ai rien à foutre. Et tu exécutes à la lettre. Ok? C'est comme ça et pas autrement. Allez, on y va. Attends, en plus, mon chéri, là, comme cela, il a faim. Donc. Faut te dépêcher, hein. Dès qu'on arrive, directement, tu commences à faire à manger. D'accord? Je dois plus rien dire, ok? Allez. Pourquoi tu places les monstres à ma place? Pourquoi tu parles? Ben vas-y, ah, vas-y. Déjà, non, non, c'est bon, vas-y. Papa. Raconte tout ce que tu viens de me dire, là. Tu m'as appelé pour papa, que je voie cette histoire devant moi, c'est quoi je ça? Je sais pas de quoi... Il a bu, papa, il a bu. Ah bon? Il a bu. Ah. T'as bu, non, chérie? Ah, donc je suis saoul? Ah, vous, t'as bu. Vané? Ah, mais, papa, il a bu, attends. Mais, vrai ou faux? Vrai ou faux? Hey, monsieur, papa, hey, sir, toi, tu me connais d'abord. Tu me connais? Mais je vous connais. Tu me connais? Mais je ne vous connais pas. Alors, mais pourquoi tu dois dire des choses comme ça? Mais c'est ça qu'elle m'a dit. Mais je suis son père. Mais oui. C'est un théâtre qu'on a regardé, chérie. Pourquoi t'as bu? Ah, c'est un théâtre? T'as bu, on a regardé un théâtre là. Non, je suis en train de faire un théâtre ici. On a vu un théâtre. Mais n'est-ce pas que ça fait deux années que vous n'êtes jamais vu? Il a bu, papa, il a bu. C'est pas normal. Je jure qu'il a bu. Vanessa. Papa, il a bu. Aïe. Depuis quand? Tu m'as jamais parlé que tu as un homme ici chez toi? Papa, il habite plus. Il a bu. Il a bu. Il a été dénigré devant toi, tu vois? Non, papa, on a regardé un film, il a bu. Pourquoi tu sais que les jeunes d'aujourd'hui, là, de Paris, là, ils prennent des trucs. J'ai même interdit de ne pas prendre les tournées juste là. Pourquoi tu peux tomber avec ces gens de monsieur là? Papa. Il te vaut pas? Papa. Hein? C'est quoi ça? Tu as perdu la tête ou quoi? Mais tu as perdu la tête ou quoi? Hein? Et puis depuis quand? Moi, l'autre fois, quand je venais à la maison, tu m'as pas parlé que tu habites avec un homme ici. Papa, ça fait pas longtemps que je suis avec lui. Écoute. Ça fait pas très longtemps. Si tu veux qu'on s'attende avec toi, je veux plus voir ce monsieur ici. Ok? Mais papa. Je veux plus voir ce monsieur ici. Je l'aime. Et ah tu bon? t'es. Papa, après tout, attends. Non, papa, attends. Et toi, t'es parti après tout, attends. Attends. Papa. T'es parti, tu m'as laissé. Mais là, maman, c'est mon amoureux. Papa, toi, t'as fait ta vie là-bas. Mais comment il peut me dénigrer devant toi? Tu papa, il t'a pas dénigré. Tu dis rien absolument. Mais justement, pardonne. Pardonne-le. C'est un mec gentil. Mais c'est alors, parce qu'il boit des trucs forts. Tu veux épouser un mec qui boit comme ça, papa, qui va manquer du respect à ton papa, père. La tu, prière. Tu acceptes ça. Papa, la prière. Quelle prière? Ça peut changer. Moi, là, je veux commencer à être une femme de. Il va changer, papa. Ah non, non, laisse-moi partir. Il va changer, mais. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Laisse-moi partir. Alors, ça va, vous êtes réconcilié? Papa, j'ai fait à manger. Hein. Écoute, moi je mange. J'ai préparé quelque chose à manger. Non, tu manges avec ton monsieur du bois doré là. Moi je mange. Mais papa, s'il te plaît, mais tu. Ah, t'es jaloux. Monsieur, moi jaloux. Eh ben. Papa. On vous propose à manger. Et vous faites. Que ce soit la dernière fois, monsieur. Tu me connais pas. Et hein plus, tu me connais pas, monsieur. S'il te plaît, tu me connais pas. Si c'était pas ma fille qui a. C'est bon, papa. Papa, j'ai fait les... Non, pas moi, j'ai arrêté ton livre. C'est pas moi, mon problème. Papa! Mais qu'est-ce que tu fais? À quoi tu joues, là? C'est mon père. Il y a quoi? Attends. Toi, je viens de te rencontrer il y a deux minutes, là. Tu veux commencer à faire les mecs ici? Non, mais toi, tu commences trop à avoir confiance. Arrête. Vanessa.
Parle-moi correctement, ok? Hein? Mais t'as vu ce que t'as fait? Attends! T'as vu ce que t'as fait? Attends! Devant mon père! Est-ce que tu te rends compte de ce que qu'est-ce que je fais? Je l'ai insulté. Tu me parles mal. Je l'ai insulté. Toi et moi, on est en... Mais je... le fait de dire la vérité, ça devient... La vérité devant lui, il y a des choses qui doivent rester entre toi et moi. Ah non, chez moi, il n'y a pas de secret. Ah mais je... voilà, ça va commencer à me faire réfléchir, franchement. Ah tu veux... Attends, viens, reviens. Vanessa, reviens. C'est maintenant à moi de réfléchir. Ça va, ma sœur? Pardon, pasteur. Non, mais ne te dérange pas. Fais comme chez toi. Hein? Continue. Hein? Tu es la créature de Dieu. Dieu t'a fait comme tu es. Dieu t'a bien fait. Hein? Continue. N'aie pas peur de moi. Moi, je suis ton pasteur. Hein? À part être ton pasteur, je suis un homme. J'aime les choses qui sont bien faites. J'aime les choses. Ne t'inquiète pas. Continue. C'est bien. Tu danses pour la gloire de Dieu. Dieu aime ça. Ma sœur. Ne t'inquiète pas. Viens. Ma sœur. Viens. Mais tu tentes de faire la vaisselle. Fais la vaisselle. Viens, ma sœur. Viens. N'aie pas peur. Attends. Depuis quand t'es comme ça? Snake, Olina, quand t'es là-bas, depuis quand elle s'habille comme ça? Mais, ma maison, viens ici. Quand t'es venue là, t'as sonné à ma porte. Est-ce que t'es habillée comme ça? Toi. Depuis quand tu mets des trucs comme ça? Depuis quand? Vous faites quoi à la cuisine là? Vous deux, vous faites quoi à la cuisine? Mais. Oh mon Dieu, touche les cœurs de ta servante. Oh, Ma sœur. Snake! Va. Snake, depuis quand? Va, mais je dois m'entretenir avec maman pasteur. Depuis quand tu t'habilles comme ça? Eh Dieu! Chut, touche mon cœur. Snake, calme-toi, me dit ça. Calme-toi. Pourquoi? Ma sœur, va. Allez, je dois m'entretenir avec maman pasteur. Je dois m'entretenir avec toi. Snake, depuis quand? Depuis quand elle s'habille comme ça? Chut, dans ma maison? Attends. Dans ma cuisine? Chut, quelle abomination! Attends! Oh mon Dieu! Attends d'abord. AVC. Snake, pourquoi tu me fais ça? C'est quoi? Chut, calme-toi. Toi, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu, toi? La petite robe là. Oh, mais parce que moi, je peux pas mettre ça. Hein. Oh, c'est ça. Toi, tu es un droïde. Snake, on limite pas short maintenant à la maison. C'est ça? C'est ça que tu veux? Chérie. Tu veux que je commence les shorts? Les micro-shorts. Shorts, même pas les mini. Les micros. Tu veux ça? Mégane. C'est ça que tu veux? Mégane. Non, dis-moi oui, je monte tout de suite. Je mets, je dis. Je suis en train de te parler, tu veux monter? Oui! Chut, attends. Ma bague dans ma cuisine, déjà, en petite robe. Déjà, quand tu parles à ton pasteur, tu parles bien. Mon pasteur. Quand tu parles à ton pasteur, tu parles bien. Mon pasteur. Mégane, tu veux le feu? Tu veux que je t'envoie le feu? Ce n'est qu'il m'a aidé à Pembeni. Chut. Elle faisait quoi ici? Calme-toi. Dans ma cuisine, elle faisait quoi? Elle voulait faire la vaisselle. Hein? Et toi, tu faisais quoi? Tu l'aidais à faire la vaisselle? Non, moi, je suis venu parce que je voulais prendre un petit thé. C'est tout. J'ai vu la sœur en train de faire la vaisselle. Où est le problème? Mon mari, pourquoi tu me fais ça? Avec tout ce que j'ai là. Snake, moi, je peux pas mettre une petite robe. Mégane, tu sais que toi aussi, tu t'es pas bien. Hein? Pourquoi tu menaces les sœurs comme ça? Déjà, j'ai entendu, on m'a appelé. Non, toi, tu menaces les sœurs. Pourquoi? Snake, donne-moi un verre d'eau. Oh. Non, whisky. Ah, Snake, du whisky, s'il te plaît. S'il te plaît. On va trouver du Sky. Oui, viens, on va prendre du Sky. Viens, on va prendre du Sky. Non, on va tout passer. Viens, on va prendre du Sky. Ah, mon bébé. Mon sac. T'inquiète pas, je vais prendre ton sac.